Sôm chơi anh cười. Sôm chơi lúc rìa nhá, mìa sông nụ mặt to. Merci, Monsieur le Président. Madame le témoin, je voudrais qu'on parle de Wat Barai Chondek. Est-ce que cette pagode se trouve encore sur le territoire de votre village de Tro, dans la commune de Baleng? Est-ce qu'elle était proche de l'endroit où vous travaillez sur le site de construction du barrage du 1er janvier? Je voudrais lire ce que vous avez dit à la page 2 de votre procès-verbal d'audition D166-18, page 2 en toutes les langues. On vous a demandé ceci. Vous souvenez-vous qu'il y avait des évacuations? Vous avez dit, moi je n'ai pas été évacué. Cependant, certains habitants de Kampong Cham ont été évacués à la pagode de Barai Chondek et y ont ensuite été exécutés. Je n'ai pas vu d'exécution car il était interdit d'y entrer. Cependant, les cadavres dégageaient une odeur nauséabonde jusqu'à l'extérieur de la pagode. Fin de citation. Je vais essayer de clarifier les choses avec vous. Parce que pour moi, ce n'est pas tout à fait clair. Vous avez dit que des habitants de Kampong Cham avaient été évacués à la pagode. Que voulez-vous dire? Est-ce qu'ils ont directement été amenés là? Ou bien est-ce qu'ils ont d'abord travaillé dans votre village, votre commune, ou sur le site du barrage du 1er janvier, avant d'arriver à Wat Barai Chondek? Pourriez-vous nous dire si cette pagode servait de centre de sécurité et pendant combien de temps elle était opérationnelle entre 75 et 79? Oui, est-ce que cette pagode Barai Chondek a servi de centre de sécurité où on exécutait les gens, comme vous l'avez d'ailleurs dit dans votre déclaration? Et si oui, pendant combien de temps elle a servi de centre de sécurité entre 75 et 79? Hỏi thơ chia
ហើយអ្នកទៅឲ្យចាប់យកទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយ Dites-nous si vous savez ou si vous ne savez pas, dites-le également. Si des gens qui travaillaient sur le site du chantier du 1er janvier ont été exécutés dans cette pagode, dans ce centre de sécurité. Est-ce que vous savez si parmi les gens qui ont été exécutés à Wat Barai Chantek, il y avait des Cham qui étaient venus de Kampong Cham? Vous avez dit quelque chose que je voudrais également clarifier avec vous. À la page 3 de votre procès-verbal en français, 2 en anglais et 3 en khmer. Vous avez dit ceci. Certains gardes du pont, par exemple des Cham, ont été portés disparus. Mais je n'en connais pas la raison. Je voudrais savoir... Si, selon vous, il y avait des Cham qui faisaient partie des gardes du site du 1er janvier, ou bien les Cham faisaient partie des travailleurs? D'accord, cette femme était-elle une ouvrière ou bien faisait-elle partie des miliciens ou des gardes? Est-ce que vous savez pourquoi elle a disparu? Et peut-être vous souvenez-vous de son nom également? Est-ce que sur le site du chantier, les Cham avaient-ils le droit de pratiquer leur religion ou de s'exprimer dans leur propre langue? Est-ce que les Cham pouvaient conserver leurs vêtements traditionnels, et notamment les femmes, pouvaient-elles porter leur foulard?
Autre sujet, dans votre région, votre village de Pro, votre commune de Balang, votre district de Barai, est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été opérés vers 77 ou 78 au niveau des cadres? Est-ce que des cadres ont été purgés, ont été remplacés par d'autres cadres? Je voudrais vous lire ce que Kepik Vanak, le fils de Kepok, chef de la zone, a dit aux enquêteurs des juges d'instruction. C'est le procès verbal E3/35. À la page 7 en français, 8 en anglais, 7 en khmer. Il est décédé aujourd'hui, mais il a dit ceci, je cite, « À l'arrivée des personnes du sud-ouest, des purges ont eu lieu au niveau du district jusqu'au niveau du village. Après l'arrivée des personnes du sud-ouest, Ta Poch était le chef du district de Barai. » Fin de citation. Donc vous confirmez, vous n'avez pas vu de gens du sud-ouest venir dans votre région occuper des fonctions de direction? Est-ce que vous avez entendu parler de ce dénommé Ta Poch, P-A-U-C-H, comme chef de district de Barai? Sur le chantier, est-ce que vous pourriez nous dire si vous-même vous aviez le droit de pratiquer votre religion? Est-ce que c'était interdit? Est-ce qu'on vous a dit lors de réunion si il y aurait des conséquences en cas de pratique de la religion? Qu'est-ce que vous risquiez si vous le faisiez? Est-ce que durant toute la période où vous étiez sur le chantier de construction du barrage du 1er janvier, est-ce que vous étiez donc totalement soumise aux ordres et aux instructions qui vous étaient transmises par vos chefs? Vous parlez d'être reforgé ou de vous voir imposer des mesures disciplinaires. Quel genre de mesures disciplinaires pouvaient être imposées si vous ne respectiez pas
les ordres des chefs. Je sais que vous n'êtes pas resté si longtemps sur le site, 4 ou 5 mois, vous avez dit. Est-ce que vous avez connu un dénommé Tri, T-R-Y, venant également du village de Tro, et qui aurait été puni? Je ne sais pas si on parle du même Tri. Est-ce que c'était quelqu'un qui a travaillé sur le site du barrage le 1er janvier? Et savez-vous ce qui lui est arrivé si on parle de la même personne? Mais est-ce qu'il travaillait sur le site de construction du barrage du 1er janvier? Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'en moyenne, les gens avaient environ 20 ans ou plus. Ici, vous parliez d'une personne qui avait 14 ou 15 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres jeunes comme Tri sur le site du chantier? Est-ce que vous avez revu cette personne après 1979? Est-ce que cette personne a survécu au régime? Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit à propos des motifs de disparition de Tri et de l'endroit où il aurait été amené, où il aurait disparu? Est-il correct de dire que lorsque les travailleurs devaient se soulager, faire leurs besoins, ils s'éloignaient du chantier pour aller dans les forêts environnantes?
Est-ce que les gardes du chantier vous surveillaient ou vous disaient de vous dépêcher lorsque vous étiez dans la forêt? Est-ce que dans les forêts avoisinantes, vous auriez vu que des gens du chantier étaient détenus dans une ou des cages faites de petits bois? Est-ce que des gens en auraient parlé dans votre unité qu'il y avait une cage qui existait pour le village? On pouvait enfermer les gens afin de rééducation. Bien, dernier sujet. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que lorsque des gens du niveau supérieur, de l'échelon supérieur, venaient visiter le chantier, on vous faisait travailler plus dur et vous deviez courir. Est-ce que vous avez jamais vu sur le chantier des étrangers visiter le site de construction? Et quand je parle d'étrangers, je parle de Chinois, de femmes laotiennes ou de femmes vietnamiennes? Merci, je n'ai plus de questions. Je vais laisser la parole au parti civil, monsieur le président. Merci Monsieur le Président et bonjour à tous. Bonjour Madame le Témoin, je m'appelle Marie Guiraud et je suis avocat des partis civils. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Vous nous avez très brièvement indiqué un petit peu plus tôt dans la matinée que vous vous étiez marié à un moment pendant la période du Kampuchea démocratique. En quelle année, et si vous vous en souvenez, quel mois vous êtes-vous marié? Je vous remercie. Qui a organisé le mariage? Qui a été en cas qui dit
Je vous remercie. Vos parents, à l'époque, ont-ils été associés à la décision de votre chef d'unité de vous marier? Connaissiez-vous votre époux avant de vous marier? Comment avez-vous appris que vous deviez vous marier? Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris que votre chef d'unité avait arrangé un mariage pour que vous vous mariez avec ce garçon du même village que vous? Si je comprends bien votre témoignage, vous nous dites que vous avez été informé la veille de votre mariage. Est-ce que j'ai bien compris? Vous a-t-on expliqué pourquoi c'était l'encart qui vous mariait, pour reprendre votre propre expression? Dans quel état d'esprit étiez-vous à l'époque quand vous avez appris la veille de votre mariage que vous alliez vous marier? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti à l'époque? Vous sentiez-vous libre à l'époque
de refuser le mariage. Avez-vous à l'époque connu des femmes ou des hommes comme vous à qui il avait été demandé de se marier et qui ont refusé de se marier? Vous avez indiqué tout à l'heure, me semble-t-il, qu'il y avait 25 couples qui ont été mariés. Je voulais vous poser quelques questions sur la cérémonie de mariage. Vous souvenez-vous qui présidait la cérémonie de mariage? À quel moment de la journée la cérémonie s'est-elle déroulée? Est-ce que vous en avez le souvenir? Quand vous dites « ils sont venus me chercher », qui sont ce « ils » Qui est venu vous chercher? Avez-vous prononcé des vœux pendant la cérémonie? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on vous a demandé de prononcer lors de la cérémonie du mariage? Est-ce que vous en avez un souvenir? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait.
Et le représentant des couples mariés représentait l'ensemble des couples et parlait au nom des couples. Est-ce que je comprends bien du coup le sens de votre témoignage? Et vous souvenez-vous du vœu qui a été prononcé par ce représentant des 25 couples? Vous souvenez-vous ce qu'il a dit lors de la cérémonie et plus tard lors du dîner? Vos parents ont-ils assisté à la cérémonie de mariage? Pouvez-vous nous expliquer en quoi la cérémonie à laquelle vous avez assisté et à l'occasion de laquelle vous avez été marié était différente ou similaire des cérémonies de mariage qui étaient pratiquées avant le régime du Kampuchea démocratique? Quelles étaient les similitudes ou les différences? Pouvez-vous donner à la cour un petit peu plus de détails pour qu'on comprenne pourquoi ça n'avait rien à voir avec les cérémonies actuelles? Y avait-il par exemple des moines? Y avait-il une possibilité de faire des offrandes? Y avait-il de la musique? Est-ce que vous pouvez un petit peu donner des détails sur les différences qu'il y avait entre les cérémonies à l'époque, celle à laquelle vous avez été, lors de laquelle vous avez été marié, et les cérémonies auxquelles vous avez assisté avant et après le régime du Kampuchea démocratique?
Je vous remercie, Madame le témoin, de tous ces détails. Je sais que c'est difficile de se replonger dans ces histoires qui remontent à très longtemps, donc vous parlez peu, mais nous comprenons ce que vous dites. Que s'est-il passé une fois que la cérémonie a été prononcée? Vous avez expliqué qu'il y a eu un dîner après. Que s'est-il passé après le dîner? Les couples avaient-ils l'obligation de passer la nuit ensemble, pour être très concret? Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas passé la première nuit avec votre épouse. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre témoignage? Et y a-t-il eu un moment après cette première nuit où vous avez été réunis avec votre épouse? Je vous remercie. Y a-t-il eu des miliciens qui sont venus surveiller votre maison lorsque vous vous êtes retrouvé avec votre époux dans les premières nuits du mariage? Je voudrais vous lire un témoignage, c'est ce qu'a déclaré à l'audience le 26 mai la personne dont vous nous avez dit que vous la connaissez parce qu'elle vient du même village que vous, Milehau. Et cette dernière a également été mariée pendant le régime du Kampuchea démocratique en 77, je crois, et elle a indiqué le 26 mai, et je vais vous lire ce qu'elle a déclaré. C'est le transcript E1-305, et nous sommes aux environs de 9h45. Après mon mariage, les miliciens sont venus nous surveiller. Ils sont venus voir si nous nous réjouissions, si nous avions célébré un rituel après le mariage, comme par exemple brûler de l'encens. S'ils nous avaient pris en train de brûler de l'encens, nous aurions été emmenés et exécutés. Et puis elle déclare un petit peu plus loin, nous sommes à 9h47-16, je n'étais pas la seule à avoir été surveillée par les miliciens. Les miliciens surveiller tous les mariés. Est-ce que c'est une information dont vous aviez connaissance à l'époque, que des miliciens venaient surveiller les nouveaux mariés? Êtes-vous resté avec votre époux? Vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez marié et que vous aviez deux enfants. Est-ce que ces deux enfants sont nés de l'union avec la personne avec laquelle vous vous êtes marié en 1977?
Vos enfants sont-ils nés pendant la période du Kampuchea démocratique, entre, c'est-à-dire avant 79 ou après? Et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, vous êtes toujours actuellement avec votre époux? Vous êtes toujours marié? J'avais mal compris, Madame le témoin, je ne savais pas si vous étiez toujours avec le même mari. Après la cérémonie de mariage, vous nous avez expliqué que vous aviez été marié avec 25 couples. Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir les personnes qui avaient été mariées ce jour-là avec vous? Vous avez été le seul couple de, du village de Tro à être marié ce jour-là. J'avais bien compris. J'ai juste une dernière question. Saviez-vous à l'époque s'il était possible que des mariages soient célébrés entre personnes du peuple nouveau et du peuple de base? Ou est-ce qu'il existait une règle qui faisait que les gens du peuple de base se mariaient entre eux et les gens du peuple nouveau se mariaient entre eux? Est-ce que vous étiez au courant à l'époque de, de l'existence de cette règle ou non? Et selon vous, quand cette mesure est-elle entrée en vigueur? Je ne sais pas.
Vous nous avez expliqué la cérémonie à laquelle, à l'occasion de laquelle vous avez été marié, les 25 couples dans le village de Dong. Savez-vous s'il y a eu d'autres cérémonies de mariage organisées après la vôtre ou avant la vôtre, aux alentours de 77, et lors de laquelle des habitants du village de Tro auraient également été mariés? Donc, à votre connaissance, cette cérémonie de 25 couples est la seule qui s'est déroulée pendant le régime du Kampuchea démocratique. Est-ce que je comprends bien le sens de votre témoignage? Dans votre commune, j'entends? Je vous remercie, Madame le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais deux petites questions pour le témoin pour faire préciser certains points de sa déposition de ce matin. Je voudrais, peut-être que je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit, mais est-ce que vous pourriez nous dire si lorsque vous étiez sur le site du barrage du 1er janvier, vous avez vu des personnes être arrêtées? Et est-ce qu'il y avait des personnes qui disparaissait sur le site du barrage du 1er janvier? Vous avez également parlé ce matin de la pagode de Wat Barai Chandek. Vous avez dit qu'il y avait vous avez été témoin. Beaucoup de personnes avaient été conduites là-bas. C'est quelque chose qui se produisait de façon régulière. Est-ce que c'était tous les jours? De temps en temps? Est-ce que après la fin du régime du Kampuchea démocratique, vous êtes vous-même
retourné à la pagode de Wat Barai Chandaik. Est-ce que vous savez si on a trouvé des cadavres enterrés aux alentours de la pagode? Et si oui, est-ce que vous avez une idée du nombre des cadavres que l'on a trouvés autour de la pagode? Dù đặt tới khơi nhận đại buồn phàm lại tại mình đang chia sẻ sắp bằng màn thế hơi tại rừng đại thông thông đại hỏi kỳ qua có cài hay nơi xa đại các bà là cái hữu tục thơ chia ốc rất tạc cam tục nơi sắp thằng ngày này. Et ces crânes, ces ossements ont été placés dans un stupa, un endroit particulier. Qu'est-ce qu'on a fait? Chà kì ớt vô tên na thế kì tục nữ tăng nữ nâng đó kì thơ chìa chạy đầy nữ tục nâng nông quát nâng hỏi kì tục hở kì băng sâu kì ấy ai rõ chân năng. Est-ce que dans votre famille, des gens ont disparu ou ont été exécutés pendant la période du Kampuchea démocratique? Non. Et dans le village, est-ce que parmi la population du peuple ancien, il y a eu des gens qui ont disparu pendant la période du Kampuchea démocratique? Donc la majorité de ceux qui ont disparu pendant la période du Kampuchea démocratique et qui résidaient dans notre village étaient des gens qui venaient d'ailleurs et des gens qui appartenaient au peuple nouveau. Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre? Je vous remercie beaucoup, Madame le témoin. Je n'aurai pas d'autres questions. Je vous remercie.
ហើយយើងមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសាវនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការសម្របសម្រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីរូបនេះឈប់នៅក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាប់ថ្ងៃត្រង់និងអញ្ជើញឲ្យគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះវេលាម៉ោង 1កន្លះរសៀលនេះហើយបង្គាប់ ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះនិងបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាវនាការនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសូមអញ្ជើញសម្រាប់